Change pas ton attitude. Voilà, stop. Oh. Tu as vu la hauteur qu'il t'a mis là? Ah oui, bah, la sensation, ouais. Super. C'est fantastique. Merci à vous tous de nous rejoindre chaque semaine. On est entre 15 et 20 000 à se retrouver tous les lundis à 19h pour Coach en direct. Immense merci. Alors aujourd'hui, on va travailler le saut en cercle. 18 mètres d'axe à axe. Donc c'est un cercle qui fait finalement 18 mètres de diamètre. D'accord, et 21 dans la ligne droite. Voilà, et c'est à l'extérieur, ça fait 21 mètres si vous voulez. Et on va commencer cet exercice avec pour objectif de garder la même cadence, être rigoureux sur le tracé du cercle. On a la chance d'avoir le drone, donc on verra si tu es rigoureuse. Ah oui, bah avec un drone, moins de centimètres. Voilà. Et puis, gêner le moins possible son cheval, essayer d'être bien souple et de faire attention que le cheval reste sur le bon pied. Si le cheval n'est pas sur le bon pied, on repasse sur le bon pied, on recommence. D'accord. D'accord ? Voilà, donc c'est un exercice d'assouplissement et de contrôle du mental du cavalier et du cheval. Ça va ? Oui. Alors, on va baisser l'obstacle. On va poser les barres par terre de l'Auxerre. On va les remettre ensemble. Le cheval a été détendu au préalable. Tu vas prendre un petit galop. Oui, comme dans la détente. Comme dans la détente. Et tu vas faire en sorte de galoper sur ce cercle avec un cheval en ligne sur tes deux rênes qui va garder sa cadence et rester sur le même pied. Et toi, surtout, tu vas essayer d'être parfaitement fluide dans le mouvement et de ne pas te tordre dans tous les sens. C'est parti, quand tu veux. Allez. Allez. Bien regarder où tu vas. De principe, c'est quand on est sur un cercle, c'est qu'on regarde le centre du cercle. C'est toi le centre, non ? Bah, du cercle, en l'occurrence, ouais. Mais pas toujours, parce que je me déplace. Donc fixe-toi. Attention que tes rênes ne se rallongent pas. On voit des changements d'allure. Voilà, bien respirer, expirer dans ta zone d'abord. Là, tu n'es pas dans le sens du cheval. Remonte un peu sur tes rênes, plie ton corps. Plie ton corps dans le sens du mouvement. C'est mieux. Attention de ne pas exagérer. Encaisser le saut. Attention, Ouais, c'est fatigant. Hein. Ah oui, c'était un exercice de concentration. Être dans le sens du mouvement. Être dans le sens du mouvement. Voilà. Le cheval chauffe un peu. On redécontracte. Au pas. Alors là, on vient de voir une chose intéressante. Je venais de dire, le cheval chauffe un peu. C'est quelque chose que on doit apprendre à sentir et repasser. Je le sentais. Arrêter le mouvement à ce moment-là. Parce que si le cheval chauffe, bah, c'est soit que ça l'énerve, donc il va perdre sa concentration, il est en train de se déconcentrer, soit qu'il commence à avoir des petites contractions. Oui, je pense donc que dès c'est qu'on ça. Sent que le cheval n'est plus dans la disposition, arrêter on a deux solutions. Fois. C'est soit on l'oblige. Non, ça va. J'y crois pas. Non. Soit on le laisse respirer, analyser et ouais, on recommence. Ça va. On fait main droite. Oui. Doucement. Regarde bien où tu vas, c'est le centre du cercle. Doucement, mon grand. Garde cette distance toujours égale.
Bien. Bouge pas. Relâchez le bas du dos. Pas rallonger ces rênes qui vont dans ton ventre. Parce que voilà, là tu es en train de le perdre. Ouais. Sauter dans l'axe. Là, le cercle n'est plus bon. Stop. Voilà, tu as retenu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le cheval commence à chauffer. Ça se désordonne. J'arrivais pas à rattraper dans ma tête. Il perd sa concentration. Donc, tu as eu raison de faire ce que tu viens de faire. On remet les barres comme elles étaient. Voilà, maintenant le cheval est chaud. On va mettre l'obstacle un petit peu plus haut. C'est bien, mon garçon. Alors comme vous voyez, ça a l'air toujours simple les exercices, mais quand on les pratique, bien ils sont là pour faire progresser les cavaliers et les chevaux. Donc forcément, ils demandent un effort, soit mental, soit musculaire. Et c'est savoir s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire finalement avoir ce ressenti qui permet de respecter ce cheval et de se dire, bah, là s'il chauffe, il y a une raison. S'il se désorganise, il y a une raison. C'est pas toujours la faute du cavalier, ça arrive. Oui, mais avoir cette idée que quand les choses se détériorent, il y a une raison. Donc on repasse au pas, on se recalme, on est à l'entraînement, on a tout notre temps. On respire, on laisse le cheval là. Réfléchir, on réfléchit soi-même, on se remet en position et on recommence dans le calme. D'accord ? On est parti dans l'autre sens. Oui. Attention d'être très très précise dans ton cercle. Et de passer toujours au même endroit. Bien. Revenir plus vite dans ta position. Remonte sur tes rênes, reviens plus vite dans ta position de base. Voilà. Plus vite, là, ici. Prendre l'habitude des mouvements qu'on va devoir avoir en parcours, se remettre à sa place tout de suite. C'est trop tard là. Voilà, ça c'est meilleur. Attends. Voilà, tout de suite à ta place. Prends le contrôle là. Contrôle tout de suite. Voilà, et ensuite on lâche. Là, tout de suite. Oh. Voilà, et tu relâches. Comme ça il a le temps de retrouver son équilibre, ça c'est bien, au haut et au pas. Ça va pas. Bien prendre cette habitude de revenir au contrôle dès que le cheval remet les pieds par terre, pour qu'ensuite le cheval ait le temps de souffler, de remettre son corps en place et de se préparer à l'obstacle suivant. D'accord ? Là, ça a été flagrant. Ouais, j'ai bien senti. Ok ? Dès la réception, se servir du temps de suspension pour se remettre en équilibre soi-même, ce qui va les aider à se remettre en équilibre. Et ensuite... C'est bien mon garçon. Dans l'autre sens ? Allez, main droite. Avoir des rênes ajustées pour que seul le mouvement du corps suffise. Si vous avez des rênes trop longues, les mains dans le ventre, le mouvement du corps ne va pas suffire. Avoir des mains devant soi pour que seulement ce mouvement-là suffise. C'est pas grave, faut bien rester à ta place. Et là, c'est quoi ce cercle ? Main droite, tu te laisses toujours avoir. Tout de suite à ta place. Tout de suite. Voilà.
et tu bouges plus. Laisse le passe coucher. Il se couche, tu devrais passer derrière le truc noir là. En plus, tu as un point de repère. Stop. Pas en baissant tes mains. C'est le corps qui joue sur l'équilibre. C'est pas tes bras qui vont chercher le truc. On recommence. Tu dois passer pour faire un cercle normal. Je vais passer derrière le truc. Derrière. Il va trop vite, il t'emmène là. Voilà. Il ne doit pas tirer et tu dois être fixe. Bouge pas. Bouge pas. Reste dans ta. Voilà. Attention, stop, stop, stop. Pourquoi? Parce que toutes ces foulées-là, pourquoi tu le laisses refuir? Il doit rester là jusqu'au moment où il ne fuit plus. Oui, d'accord, je vois. Et tu te relâches progressivement. Mais tant que le cheval accélère, ça va pas. Puisque sinon, tu vas être obligé de... Tu peux pas le laisser se déséquilibrer. Il doit être en équilibre et il doit rester là. Si tu ne lui demandes pas d'aller plus loin, d'accord? Sans le porter, hein. Et pas le laisser aller, toi, dans ta tête et dans ton corps. Ouais. Et pratiquer surtout toujours les mêmes gestes. Trop dur. Voilà. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, tout de suite. Tout de suite. C'est mieux. En arrière du mouvement. Comme dirait mon ami Jean-Claude Noël. Voilà. Encore une fois, et on voit que ton cheval se stabilise progressivement. Bien, tout de suite, à ta place. Tu vois, j'ai dit bien, t'as senti qu'on allait s'arrêter, t'as oublié de rester concentré. Jusqu'à la fin de ton travail, tu dois rester sur la concentration et sur le geste toujours identique. C'est le seul moyen que va avoir ton cheval d'avoir un point de repère. Il va se dire, quand je suis là, je dois me revenir. Sinon, et prends l'habitude de continuer ton exercice jusqu'à la fin. Pas en pensant que tu vas finir, sinon tu vas faire 4 points sur le dernier comme tout le monde. Ok? C'est bien. On monte Farouk de 4 trous, là-bas. Ok? Et encore un peu. Voilà. On a un trou de trop, je crois. Même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'au fur et à mesure, le cheval s'installe et le cavalier aussi. Oui, complètement. D'où l'importance d'avoir toujours les mêmes codes. On est parti. Prendre le même chemin et toujours de la même manière. Respire, expire dessus. Oui. Sur le tracé, toujours le même. C'est bien.
C'est de mieux en mieux, ok? Oui, oui. Mais c'est surprenant. Attention, le tracé. Mais oui, mais c'est pas surprenant, non. C'est qu'il faut prendre cette habitude de monter toujours de la même manière. Ouais. Un cheval, il peut pas comprendre, tiens, d'un coup on monte comme ci, d'un coup on monte comme ça. S'installer dans des codes qui lui permettent de trouver le confort, encore une fois. Faire dans l'autre sens. On recommence à main droite. Attention, tu mets trop de temps à revenir. Oui, je me suis fait avoir. D'accord? Ah ouais, j'ai perdu dans le saut. Ça veut pas dire de tirer, ça veut dire de se tenir et d'être à sa place souplement. Attention ta main, pas baisser la main. Ouais. C'est sur l'équilibre qu'on agit, c'est pas sur la force. T'auras moins de force que lui toujours. Oh, là, je tiens pas dessus. Oh, oh. Hop, 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 hop. Voilà. C'est bien mon grand. Je t'ai laissé faire. Mais le cheval, il n'était pas vraiment avec toi. Non, j'arrive. Il faut redescendre au calme. Et recommencer. Je t'ai laissé faire pour te montrer. Oui, 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 mais j'ai bien. D'accord. Je perds le contrôle dans l'oxer. Non, tu es trop dur. Tu n'es pas suffisamment dans l'intention, tu es dans l'imposition. Oui. Il faut juste avoir ce mouvement-là. Tu es là, hop, tu reviens. Tu redescends progressivement. Hop, tu reviens. Mais c'est pas avec les bras, en baissant les mains, pour lui faire baisser la tête. Non, je veux pas lui faire baisser la tête. C'est ce que tu faisais. Ouais, ouais, je baissais les mains, ouais. Allez, mais c'est naturel, on a tous cette tendance-là, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Oh, mon garçon. On recommence à main droite. D'abord au trot. Non, 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 tu trottes d'abord. Stop. Oh, oh, oh. T'as déjà oublié le tracé. Bah. Puisque t'es passé sur le noir alors qu'il faut que tu passes à l'extérieur pour un bon cercle. Chaque détail a son rôle et son importance. Change pas ton attitude. Change pas ton attitude. Voilà, stop. Oh. Tu as vu la hauteur qu'il t'a mis là? Ah oui, bah, la sensation. Ouais. Super. C'est fantastique. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, okay. C'est physique. C'est bien mon grand. Change pas ton attitude. Change pas ton attitude. Voilà, stop. Eh bien voilà, la séance vient de se terminer. Donc ce qu'on a bien vu, c'est que il faut pratiquer toujours de la même manière et être très 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 rigoureux quant au tracé et à sa position dans les réceptions
être dans une position qui permet d'accompagner le cheval sur n'importe quel type d'abord, qu'il soit grand, qu'il soit court, qu'il soit etc. Donc il faut être souple, il faut être sur ses pieds dans le sens du mouvement. Et puis, être tout de suite revenir à sa place, mais sans utiliser la force. D'accord ? Et penser à ce phénomène de tracé qui en fait modifie tout ensuite. Donc il faut réussir à avoir son cerveau qui se cale sur deux choses, le contrôle latéral et le contrôle longitudinal. D'accord ? Parfait. Voilà. Super, merci. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est quoi que tu retiens, toi, de cette séance ? Oui, moi j'adore. J'ai eu vraiment des sensations fantastiques. Et après avoir fini l'exercice, en marchant ou pas, je sens mon cheval qui marche avec vraiment une poussée symétrique de deux postérieurs et avec une force que j'avais jamais sentie avec lui avant. Vraiment passionnant. C'est l'intérêt du cercle. Le cercle permet de redresser. Hein ? Voilà. Donc on avance. C'est ce type d'exercice qui nous permet aussi de faire passer les caps aux chevaux, mais aussi à vous, parce que là, tu viens de prendre conscience de l'importance du tracé et de l'importance du contrôle longitudinal dès la réception. Ok, merci, à la semaine prochaine. Oh, 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 oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh 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 non 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 ouais, merci.